peut augmenter sa contribution et sa valeur ajoutée que dans la mesure où on se compare, et la DFCG permet de se comparer, permet également d'être finalement visible, d'apporter des témoignages et aussi de recevoir les témoignages des autres. Donc c'est un échange à la fois convivial et de solidarité dans le métier des financiers. Notre vocation est de plus en plus couvrir les différentes typologies de métiers de la finance et d'apporter de la valeur ajoutée à nos membres. Je pense que la DFCG a vocation à étendre sa zone de chalandise et de couverture de ses différents métiers, tant sur un plan géographique que sur un plan des problématiques que l'on traite. Quand on voit les groupes, par exemple, de travail sur le secteur public, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de matière à développer. Les dimensions internationales, c'est également quelque chose dans l'interface avec les autres membres de l'Association internationale des dirigeants financiers. Donc ça, c'est également des thèmes de développement qui ont une justification. Donc pourquoi pas avoir de plus en plus d'animation internationale avec nos collègues non français.